Merci de prendre place. Alors, Madame et Messieurs les ambassadeurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, la journée d'aujourd'hui est sans doute l'une des plus importantes de notre année académique pour deux raisons. La première, c'est celle où nous remettons les prix de l'Académie, ce qui sera fait par Pierre-François Plouin. Et la seconde, c'est que nous accueillons solennellement les nouveaux élus, qu'ils soient titulaires ou correspondants. Et le devoir me reviendra tout à l'heure. Donc sans tarder, parce que la séance est très chargée, je vais immédiatement laisser la parole à Pierre-François Poulin en vous remerciant tous d'être venus. Certains d'entre vous sont venus très très loin et nous les en remercions très très vivement. Pierre-François, je te laisse la parole pour ton travail annuel. Donc, c'est un grand jour pour beaucoup d'entre nous. C'est un grand jour pour l'Académie. Donc, euh, la sélection des candidats et la remise des prix fait partie de ces tâches statutaires. Euh, c'est un grand jour aussi pour les personnes qui ont fondé les prix. Et je serai amené tout à l'heure à les remercier pour leur générosité. Et bien sûr, c'est un grand jour pour les candidats qui sont aujourd'hui à l'honneur. Donc, euh, pour cette année 2022, l'Académie nationale de médecine va remettre 19 prix scientifiques, dont 10 prix généraux, 4 prix de médecine et 5 prix de chirurgie, spécialité et cancer. Et nous allons remettre aussi le prix littéraire de l'Académie de médecine. Et vous comprendrez que je commencerai par le prix littéraire parce que je ne suis pas certain que notre lauréate, Madame Tardieu, soit très intéressée par les techniques de la. Des prix qui sont récompensés sur le plan scientifique. Donc, Madame Tardieu est ici au premier rang, mais vous pouvez la voir si elle vous tourne le dos sur cette photographie. Donc, elle est diplômée de l'ESSEC. S'est consacrée à l'écriture dès 1998. A découvert la même année le théâtre et a suivi une formation au Conservatoire d'art dramatique à Paris. Mais à partir de 2006, elle a abandonné le théâtre pour se consacrer davantage à l'écriture. Et je la cite :« L'écriture est là. » depuis l'enfance, nécessaire et évidente, non pas à côté de la vie, mais dans la vie, prenant sa source en elle, la rendant possible tout en l'éclairant. Elle a fait paraître 12 livres, a dirigé des ateliers d'écriture à la Sorbonne Nouvelle, puis à Sciences Po, et actuellement euh, dirige des ateliers d'écriture à la NRF chez Gallimard. Son dernier prix Du aube à l'autre, publié chez Stock, est donc le lauréat du prix littéraire de l'Académie. Et j'ai plaisir à dire que parmi les 14 candidats, il a été élu à l'unanimité. Je vous en dis quelques mots avant de vous recommander d'aller chez votre libraire habituel vous procurer le livre. Donc, il s'appelle D'une aube à l'autre et l'histoire est la suivante. Une anémie réfractaire révèle chez Adam une leucémie aiguë myéloblastique un mois avant son cinquième anniversaire. Coup de poing pour la mère, coupure du monde, aggravée par le confinement lié à la pandémie, cycle d'aplasie, accord de la sœur pour un don de moelle, succès, enfin sorti après 158 jours d'hospitalisation. Voilà pour les faits cliniques. Le sujet est l'abîme où chute la mère, autrice et narratrice, le basculement de sa vie, sa sortie du monde, la lutte vitale avec son fils qu'elle accompagne sinon dans la totalité de son temps, du moins dans la totalité de ses pensées, la confiscation de toute action extérieure, de tout projet, de tout partage. Au-delà de la narration, l'autrice nous indique le devoir des proches, pas d'expression de la sympathie, cousine de la condoléance, mais s'ils le peuvent, une écoute fidèle et sincère. L'autrice exprime au corps soignant du CHU Robert Debré sa reconnaissance pour l'intelligence du cœur. Le savoir et son partage, l'acceptation du doute, c'est-à-dire toutes les phases de l'empathie. Pour en enseigner le prix, je recommande ce livre aux infirmières, psychologues, kinésithérapeutes, internes en médecine et médecins chevronnés, en fait, à tous les personnages au contact euh, de, des personnes souffrantes. Donc, je vous recommande vivement la lecture de ce livre d'une aube à l'autre. Et maintenant, je vais passer la parole à Mme Tardieu qui va sûrement en parler avec plus d'éloquence que moi. Merci, Laurence. J'ai préparé un petit discours, je ne pas si joli. Mesdames et messieurs les académiciens, vous n'imaginez pas combien recevoir ce prix, votre prix, aux côtés notamment de mes filles ici présentes, de mon père, de Céline, tous personnages capitaux du livre, mais aussi et avant tout héros du réel, m'émeut et me fait plaisir. D'abord, bien sûr, parce qu'il couronne d'une aube à l'autre mon douzième livre, à la fois si singulier dans mon parcours d'auteur, puisque, hélas, c'est la femme et la mère qui parlent, peut-être aurais-je voulu qu'il n'existât jamais, mais qui pourtant s'inscrit avec force et cohérence dans mon parcours d'écriture. Moi qui cherche depuis tant d'années à travers l'expérience jubilatoire, passionnante et ardue de l'écriture à comprendre un peu mieux ce que vivre veut dire, et même, j'ose le dire, à vivre. Et de ce point de vue, on peut dire que d'une aube à l'autre, qui est le récit littéraire d'une traversée pour rester en vie, rester du côté des vivants, a toute sa place dans mon œuvre. Écrire ce livre, sortir des 158 jours d'hospitalisation d'Adam, était vital pour moi. Car il s'agissait urgemment de nommer cette expérience qui me paraissait alors irracontable. Tant il m'avait semblé avoir été totalement déporté de ma vie, projeté ailleurs, dans un monde, un espace-temps que vous, vous connaissez bien, l'hôpital, mais que moi, je ne connaissais pour ainsi dire pas. Un monde à l'intérieur duquel tout a une texture différente à la fois plus clinique et plus intense. Voyez-vous ce qu'il y a à la fois de passionnant et de bouleversant dans l'écriture, c'est qu'elle permet non pas de raconter, ni même de revivre, mais de comprendre ce qu'on a vécu. Ainsi, je crois bien qu'il fallait en passer par ce texte de forme résolument littéraire, composé de fragments en vers libre, d'extraits de poèmes, de passages en prose, pour enfin des mois plus tard mieux connaître ou reconnaître l'expérience intense de vie aux confins de la mort qui avait été la nôtre. Ensuite, comment ne pas le dire, émue et heureuse de recevoir ce prix, votre prix, décerné par vous, médecins, qui connaissez si bien ce combat puisque vous avez choisi d'y consacrer votre existence. Tout au long de ces jours où Adam était dans sa petite chambre de 6 mètres carrés, vous étiez de l'autre côté, mais vous avez été aussi souvent tellement à nos côtés, nous insufflant une force terrible. Aussi, savoir que vous avez décidé de fêter ce livre est pour moi bouleversant, car il me semble qu'ainsi, d'une aube à l'autre, devient en quelque sorte le territoire sur lequel peut s'exprimer de part et d'autre, vous à travers ce prix, moi à travers mes mots, la reconnaissance de ce qu'est en vérité un tel combat intime et collectif, terrible et traversé par la joie. Merci de tout mon cœur. Alors j'ajoute un mot, c'est que nous sommes fiers en tant qu'académiciens reconnaissant en tant que lecteur, euh, et euh, j'ai la plaisir donc de vous remettre le diplôme du prix littéraire de l'Académie nationale de médecine qui vous fait lauréate de notre institution. Alors nous allons passer maintenant au prix scientifique. Pardon, c'est moi qui... Donc, nous considérons à l'académie que la recherche ne s'arrête jamais, car la soif de savoir, la libido si dit, est impossible à étancher, et qu'en médecine, l'ambition de guérir est une quête sans fin. La recherche est notre espérance et ne trouve jamais son terme. Victor Hugo nous l'enseignait en 1864 la science cherche le mouvement perpétuel, elle l'a trouvé, c'est elle-même. La science est continuellement mouvante dans son bienfait. Ce qu'on acceptait hier est remis à la meule aujourd'hui. La colossale machine science ne se repose jamais. Nous remercions les donateurs qui ont institué des prix pour leur générosité, en particulier M. Zheng Yi de la Fondation Bochiao, qui est ici dans la salle. Euh, fondateur du prix Charpac-Dubousset, donc euh, M. Bousset est également ici dans la salle. J'ai reçu ce matin un mail de M. Charpac disant qu'il avait des problèmes de transport et je ne suis pas certain qu'il pourra nous rejoindre, mais bien sûr, il est remercié, il connaît notre reconnaissance. Ma reconnaissance notre reconnaissance va également à Mme Juan et fondatrice du prix André Litschwitz. Je ne l'ai pas encore vue ce matin, mais je suppose qu'elle est également dans la salle ou bien représentée. Nous remercions également les membres de l'Académie qui ont fourni un travail d'amont intensif pour préparer une centaine de rapports sur la lecture des candidatures et participer à trois jurys en vue de la sélection de nos lauréats. Et bien sûr, mes félicitations, toutes nos félicitations vont aux médecins et aux chercheurs qui ont participé au concours 2022. Tous ces créateurs portent désormais le titre de lauréat de l'Académie nationale de médecine. Comme vous le voyez sur la diapositive, nous allons commencer par les prix généraux. et Le premier de ces prix généraux est le plus ancien puisqu'il a été fondé en 1825. C'est le Grand Prix de l'Académie nationale de médecine de 27 000 euros. Et cette année, donc, il est remis à Michel Azizi. Michel, si tu veux bien t'approcher. Donc, Michel Azizi est professeur de médecine vasculaire à l'Université Paris Cité, chef du service d'hypertension et directeur du, du centre d'investigation clinique INSERM à PHP 1418 à l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Il est ancien vice-président de la Société européenne d'hypertension et président de son groupe Pharmacologie et adhérence thérapeutique. Vous comprendrez que je ne vais pas citer donc, toutes les participations qu'il a fait aux sociétés savantes parce que j'y passerai la matinée. Son service est labellisé Centre d'excellence pour la prise en charge des hypertensions sévères ou compliquées ou secondaires et pour l'enseignement et la recherche translationnelle en collaboration avec le CIC 1418 et l'INSERM. Les travaux primés viennent dans la continuité de l'École française d'hypertension marquée par Paul Milliez, Joël Ménard et Pierre Corvol. Et Je suis heureux de citer des noms que tu connais probablement, qui ont été des précédents lauréats de ce Grand Prix de l'Académie, qui sont Gilbert Lagrue, qui sont Geneviève Guyenne et Catherine Liorès-Cortès. Ces travaux ont porté principalement sur les mécanismes de régulation de la pression artérielle, le système rénine angiotensine aldostérone et le système Apéline-Copeptine, sur la pharmacodynamie des antihypertenseurs, sur les complications des traitements antiangiogéniques des cancers, sur la détection de l'observance par spectrométrie de masse, et sur des dispositifs novateurs de dénervation rénale. Donc, toutes mes félicitations, Michel. Donc nous sommes fiers de toi. Et si tu veux dire quelques mots, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Pierre-François. Je reçois avec grand honneur et grande émotion ce prix de la part du professeur Ploin, ici présent, puisque j'ai été son interne il y a un peu longtemps, je ne me rappellerai plus. Et euh, je suis donc très honoré par vous, mesdames et messieurs les académiciens, et aussi, monsieur le président, tous les membres de l'Académie, de m'attribuer ce prix qui permet de jeter à nouveau un regard sur l'hypertension artérielle en France, qui malheureusement, et malgré tous les moyens dont on dispose, est de moins en moins contrôlée, de moins en moins bien prise en charge, et j'espère que l'attribution de ce prix permettra de, re de remettre de la lumière sur ce domaine. Je l'ai déjà exprimé ici sur, le, sur la diapositive, mais j'exprime ma profonde gratitude à mes maîtres, euh, dont le professeur Joël Ménard, le professeur Pierre est euh, ici présent, le professeur Ploin, ainsi que le professeur Fissinger, qui a aussi joué un rôle important à un moment de euh, ma carrière. Donc, euh, mes deux premiers maîtres, qui sont le professeur Ménard et le professeur Corvol, m'ont initié à la recherche et m'ont transmis leur passion, leur vision humaniste aussi, de, de, non seulement de l'hôpital, mais aussi du monde. Et c'est grâce à eux aussi que je suis ici, que j'ai réussi ensuite à succéder à Pierre-François Plouin, ici présent et à continuer l'œuvre qui a été débutée il y a bien longtemps, en 1948, par le professeur Paul Miliès. J'espère, moi, à mon tour, pouvoir transmettre aussi cela. Et je ne suis bien sûr pas tout seul. Je remercie ici toutes mes équipes, hein, dans qui que bah, tout ce travail ne peut pas être réalisé, hein, et en particulier euh, ceux du Centre d'investigation clinique de l'hôpital Brousset, puis de l'hôpital européen Georges Pompidou. Et à travers cela, je remercie les institutions, et en particulier l'INSERM, l'université, l'assistance publique, qui ont permis de mettre en place ces structures pour réaliser ce type de recherche et d'approche thérapeutique. À un moment où certaines de ces structures sont remises en cause, pour des raisons banalement financières, je pense qu'il est important, et j'utiliserai en tout cas... Le, ce prix aussi pour, dé, pour combattre et pour aider à poursuivre cette expérience. Merci beaucoup encore et je suis très ému, Pierre-François, que ce soit toi qui me donne ce prix. Alors après cet énoncé, un petit mot pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je n'étais pas rapporteur de Michel Azizi. Mais je ne peux pas m'empêcher de t'exprimer mon, toute mon amitié. Voilà, donc euh, différentes choses qui te seront utiles. Merci. Merci, nous sommes fiers. Donc, le prix Éloi Collery, est un prix de 30 000 euros, est remis aujourd'hui à Jean-Claude Dreher. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas présent et c'est sa sœur qui va le représenter. Madame, si vous voulez descendre ici, de façon qu'on puisse vous féliciter par procuration. Donc, Jean-Claude Dreher est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences cognitives marc jeanne à Lyon. Il est docteur en neurosciences de l'université Paris 6, postdoc du National Institute of Health, président de la section neurosciences intégratives et cognitives de l'Agence nationale de la recherche. Son équipe neuroéconomie, prise de décision et système de récompense étudie l'organisation fonctionnelle du cortex préfrontal chez l'homme, les fonctions de ce système de récompense et les dysfonctionnements du système. Le travail primé est intitulé Système de récompense et biais cognitifs chez les joueurs pathologiques. La neuroimagerie, combinée à la modélisation du comportement lors d'expériences sollicitant le système de récompense, a montré les changements cérébraux observés dans le jeu pathologique. Plus généralement, les méthodes de la neuroéconomie s'appliquent à l'étude des substrats cérébraux, du traitement de récompense et de la prise de décision dans les troubles du comportement impulsif, dans les addictions, comme le jeu pathologique, et aussi dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est un travail de grande importance pour lequel nous sommes très fiers de remettre ce prix au, euh, à Jean-Claude D.R. et par procuration, donc, euh, à sa sœur. de ma part. J'en viens maintenant à un prix qui est récent, qui est le prix de la Chancellerie des Universités de Paris et de l'Académie nationale de médecine. Donc, Madame Amazouz, est-ce que vous voulez me rejoindre On vous explique comment ça fonctionne. Donc, il y a des prix de thèse qui sont remis par la Chancellerie dans différents domaines qui sont qui touchent la pharmacie, la médecine, le cancer. Et donc, il y a une première sélection qui est faite parmi ces prix de thèse. Et donc euh, madame amazouz a été sélectionnée pour cette première sélection. après quoi, donc, euh, les jurés de la chancellerie nous transmettent trois dossiers pour que nous les sur-sélectionnons et donc euh, le prix de la chancellerie est doublé euh, par euh, le prix de l'académie de médecine. c'est donc euh, ce prix sur-sélectionné que reçoit aujourd'hui, donc, euh, euh, hélène amazouz. elle a un parcours tout à fait remarquable. Donc, elle est infirmière de formation, diplômée de l'essence publique, hôpitaux de Paris. Elle a mené parallèlement à, à son travail d'infirmière des études d'épidémiologie dans le master santé publique et risques environnementaux euh, aux universités Paris Cité, Paris-Saclay, Université de Lorraine, à l'école des hautes études en sciences publiques. Et elle travaille actuellement dans l'équipe Exposome. Et hérédité du Centre de recherche en épidémiologie et santé de Population, qui est l'INSERM U1018. Elle reçoit le soutien de la Fondation pour la recherche médicale pour euh, euh, sa bourse. Elle travaille actuellement avec le docteur Marina Kvastkov sur l'étude des expositions environnementales et de l'alimentation en lien avec l'endométriose. Dans les cohortes françaises, Constance et Nutrinet Santé, vous connaissez probablement ces deux très vastes cohortes françaises. Le travail primé s'intitule « Alimentation et santé respiratoire allergie chez les enfants en milieu urbain », étude de la Corte Paris. Pour simplifier, cinq profils d'alimentation ont été identifiés chez le nourrisson, donc dans les premiers mois de la vie. Le suivi de cohorte a montré que ces profils étaient associés à la santé respiratoire et aux allergies mesurées à l'âge de 8 ans, donc après une très longue période de survie, ce qui est exceptionnel donc dans cette tranche d'âge. Et elle a montré que notamment l'allaitement maternel était protecteur, alors que l'usage de préparations infantiles partiellement hydrolysées avec un label hypoallergénique augmentait plutôt le risque d'allergie et de déficit respiratoire à l'âge de 8 ans. Donc il s'agit d'un très beau travail qui va être poursuivi par d'autres très beaux travaux. Et donc je félicite très vivement euh, Madame Amazos pour, pour tout cela. Non. Merci. merci beaucoup. Bon bah du coup, vous savez tous sur moi et sur mes travaux de thèse, et je tiens vraiment à remercier l'Académie nationale de médecine pour ce prix, et je remercie également mes directrices de thèse, le professeur Isabelle Momas et le docteur Fanny Rancière de m'avoir accompagnée durant ces trois années. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous remettez la chose importante. La subvention de l'Académie nationale de médecine est remise aujourd'hui à Afid Aoutoufella, qui est cardiologue, PUPH dans le service de médecine intensive, réanimation de l'hôpital Saint-Antoine et sur le plan universitaire, Sorbonne Université. Il exerce son activité de recherche. Peut-être qu'il peut nous rejoindre s'il est là. Il exerce son activité de recherche. Sur la modulation de la réponse immune dans les pathologies cardiovasculaires au sein des unités INSERM U689 puis U970, dont il dirige l'équipe 5. Donc, le laboratoire où il travaille actuellement, c'est l'U970, qui est localisé au centre de recherche cardiovasculaire de Paris, qu'on appelle le parc HEGP, qui est donc dans l'enceinte de l'hôpital européen Georges Pompidou. Ce laboratoire s'intéresse aux mécanismes immunométaboliques. Impliqués dans la formation de l'athérosclérose, le remodelage post-ischémique après un infarctus du myocarde et la physiopathologie des anévrismes aortiques et en particulier des anévrismes disséquants. Le travail primé s'intitule Réponse immune innée et adaptative dans les pathologies cardiovasculaires. Il s'agit de l'identification de plusieurs acteurs cellulaires, notamment d'un rôle protecteur des lymphocytes T régulateurs endogènes. Et d'un rôle délétère des lymphocytes B2 matures et des lymphocytes TCD8. Un récepteur TREM1 contrôle l'action délétère des monocytes macrophages, à la fois dans le remodelage cardiaque post-ischémique, le développement de l'athérosclérose et la formation d'un évrisme aortique dissécant. Donc Pour ce travail, toutes les félicitations de l'Académie vont à M. Afid Aitoufella. Donc Je ne sais pas s'il est représenté par quelqu'un aujourd'hui. Non, bah écoutez, donc, nous le remettrons en temps voulu, donc ce qui lui revient, son diplôme et euh, son enveloppe. Et donc je vous propose d'applaudir euh, ce magnifique travail. Nous venons maintenant au prix Drieux-Chollet qui est attribué cette année à Nathan Pesser-Smadja. Il est MCPH à l'Université Paris-Cité dans le service. Bonjour. Donc si je... Si j'ai bien noté, vous êtes MCUPH à l'Université Paris Cité dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Après un Master 2 en sciences cognitives, vous avez soutenu une thèse de santé publique entre l'Imperial College à Londres et l'unité Infection Antimicrobials Modeling Evolution. Le service de l'hôpital Claude Bernard. À la PHP est un centre de référence en infectiologie et donc euh, certains de vos maîtres ont été récompensés dans le passé par un prix de l'Académie. Ce centre remplit une mission de soins, de recherche et d'enseignement en collaboration étroite avec l'unité INSERM IAME et l'université Paris Cité. Et votre travail, pour simplifier le titre, s'intitule aide à la décision pour les maladies infectieuses tropicales et émergentes. Il s'agit de l'adaptation d'un outil électronique existant antibioclique, au contexte de l'Afrique de l'Ouest, qui a permis la mise en œuvre d'AntibioClick Afrique. Cet outil, qui vise à optimiser la prise en charge de la COVID-19 et des maladies infectieuses et tropicales aux conditions régionales, existe également sous forme d'application smartphone avec un mode hors ligne, donc une application qui va être très utile pour les patients du continent africain. Toutes mes félicitations pour ce travail. Est-ce que vous voulez nous dire un mot Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, donc je tiens vraiment à vous remercier sincèrement et profondément pour ce prix. Je rappelle pour faire un peu de plaidoyer comme Monsieur Azizi que la résistance antimicrobienne est un problème majeur de santé publique et on considère qu'en 2050, plus de 50 millions de personnes pourraient décéder du fait de la résistance antimicrobienne. Pour donner une comparaison, actuellement, on considère que les décès liés au Covid, direct ou indirect, représentent environ 20 millions de personnes. Et en fait, c'est des pans entiers de la médecine ou de la chirurgie qui pourraient disparaître si on n'arrive plus à traiter les infections bactériennes résistantes. La transplantation, les chimiothérapies, euh, la chirurgie complexe, toutes ces actions sont permises par euh, des antibiotiques et des antimicrobiens efficaces. Donc, tout notre travail vise à optimiser l'usage de ces antimicrobiens pour qu'ils restent efficaces et essayer de diminuer la résistance antimicrobienne. Donc, je remercie évidemment euh, tous les membres du Conseil scientifique d'Antibioclique, tous les partenaires dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest euh, qui participent à ce projet, et puis euh, les, les instances, les institutions, la PHP, l'Université Paris Cité, et bien sûr l'INSERM et notre unité. Merci. Donc, tous mes voeux pour une brillante carrière et toutes mes félicitations. J'en viens maintenant au prix Charpac du Bousset et je dois remercier ici la fondation Bocciao, qui est représentée par le docteur Zeng, qui est présent ici dans la salle. Il s'agit d'un prix collaboratif, c'est-à-dire que, on doit sélectionner deux équipes, deux personnes. Une première équipe qui est celle d'un fondamentaliste et une seconde équipe qui est celle d'un clinicien. Et il faut que le travail fondamental soit appliqué par le clinicien et donc la récompense va justement à cette interaction entre le travail fondamental et la clinique. Donc ce n'est pas simple de trouver des candidats dans les délais. Annuelle, puisqu'il s'agit de sélectionner donc deux groupes. Et je dois remercier ici M. Ban Zeng qui travaille beaucoup à l'École polytechnique pour recruter des candidats de valeur. Donc, cette année, ce prix va à Jimmy Da Silva et Elie Sagmini. Donc, Jimmy Da Silva a été formé au Georgia Tech à Atlanta, puis à l'École des mines de Nantes. Il est Robotic Research Engineer à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université, puis dans l'entreprise SpineGuard à Vincennes. Elisa Gminy est chirurgien orthopédiste, titulaire de master en sciences chirurgicales et en biostatistique, postdoc chercheur à l'ISIR, donc euh, l'Institut euh, des systèmes intelligents et de robotique, en thèse de science à Sorbonne Université sur approche multitechnologique du placement de vis pédiculaires. Pour bien comprendre ce travail, il faut réaliser qu'en orthopédie, on est amené à mettre des vis pour faire des contentions donc, rachidiennes et quelquefois jusqu'à 30 vis. Et donc quand vous placez une vis dans, une, dans un pédicule ou dans une lame... Ah pardon, c'est... Oui, si Non, ça ne fonctionne pas. Le, ah, voilà, c'est une surprise. Donc, C'est un fantôme qui fait apparaître le pointeur. Donc, vous voyez, quand on fait introduire une vis, ben, il s'agit qu'elle n'aille pas trop loin, parce que si vous traversez la corticale, vous arrivez dans la moelle, et de même, si vous vous placez mal dans la, dans la, la lame, vous allez arriver dans les racines nerveuses. Donc, euh, ce sont seulement les chirurgiens très expérimentés qui arrivent par le palpé à savoir qu'il y a une différence de résistance de l'os pour pouvoir placer leur vis. Et donc là, euh, le système qu'ils ont qu'ils ont conçu est un système de robot pour une meilleure sécurité de la chirurgie du rachis. L'équipe de Jimmy da Silva a développé un algorithme pour prévenir une effraction corticale au moyen d'une sonde qui a plusieurs systèmes de détection. Elle mesure la conductivité des tissus, elle est associée à un palpeur à boules et à une micro-caméra. Ceci donc, pour éviter de passer trop loin lorsqu'on place les vis. L'autre équipe, celle d'Elysse Agbini a tester l'algorithme en question, ex vivo sur des vertèbres d'agneau, puis in vivo chez le porc, sur des pédicules et les épineuses. Et maintenant, l'application vient chez l'homme. Et cette innovation collaborative devrait fiabiliser l'implantation robotique des vespédiculaires. Donc, c'est un système relativement complexe, mais relativement précieux. Et je vous propose de féliciter par votre applaudissement M. Sagbini. Je pense qu'il était là. Ah, ils sont là, pardon, ils ne sont pas descendus. Vous êtes d'une discrétion exemplaire, donc je pensais que vous lèveriez. Et donc, je vous propose de dire quelques mots à propos de votre travail. Donc, euh, D'abord, je tiens à remercier, remercier tout le monde, surtout euh, les académiciens, le jury, tout le monde, euh, et euh, mon chef de service, M. Vial, parce que c'est grâce à lui euh, qu'on est là aujourd'hui euh, à l'hôpital Trousseau. Et donc, euh, notre travail, c'est surtout pour sécuriser les vis pédiculaires parce qu'il euh, y a beaucoup d'atteintes. Normalement, c'est 14% de taux d'échec en mettant une vis et il y a beaucoup de risques sur la moelle. Donc, on peut sortir avec une paraplégie, même si ce n'est pas très fréquent, mais c'est très handicapant. Et donc, euh, le but de ce travail, c'est de sécuriser de façon fonctionnelle, même s'il y a maintenant des systèmes de navigation. Mais c'est surtout pour augmenter la fiabilité et aider le chirurgien à faire son geste de façon beaucoup plus précise. Moi, je tiens à remercier l'ISIR, la Sorbonne Université, l'INSERM, dont l'Institut des systèmes intelligents et de robotique fait partie, et en particulier mon directeur de thèse et directeur du laboratoire, Guillaume Morel, qui m'a encadré durant ma thèse, et aussi l'entreprise SpineGuard. Dans laquelle j'ai aussi fait ma thèse donc, suite à une, donc pour un partenariat Cifre, qui en fait fournit les les capteurs que nous avons utilisés pour développer ce système intelligent. Donc merci à vous tous. Je vous propose d'applaudir aussi le professeur Charpak qui est ici parmi nous et également dans le un. et également la, fond, la fondation Bocciao, qui a conçu ce remarquable prix qu'on a plaisir donc à remettre aujourd'hui à nos candidats. Donc, vous avez un souvenir à emporter. Mes félicitations. Ah, pardon. Excusez-moi. Le prix suivant est le prix Janssen, qui est attribué aujourd'hui à Monsieur Guillaume Sandoz. Est-ce que Monsieur Sandoz est là Alors, vous allez vous approcher, s'il vous plaît. Comme ça, vous pourrez me contredire si je décris mal votre CV. Donc, Monsieur Sandoz a fait un doctorat à l'Université Aix-Marseille. Il a intégré le CNRS à Sofia Antipolis, puis le laboratoire du professeur Isakov à Berkeley en Californie. En 2013, il est lauréat du concours ATIP Avenir et crée un laboratoire à l'Institut de biologie de Valrose dédié à l'étude de la neuro en physiologie et en pathologie. Son laboratoire, le 112 Lab, bénéficie du soutien du CNRS, de l'Inserm et de beaucoup d'autres structures. Il étudie la pharmacologie des canaux à la recherche des thérapies ciblées afin de réduire les effets secondaires des traitements des maladies neuronales comme la migraine. Donc le titre de ce travail, c'est Canaux ioniques et migraines. Il montre que les mutations du gène Tresc impliquées dans la migraine entraînent la formation de deux protéines au lieu d'une via un nouveau mécanisme, l'initiation alternative de la traduction induite par déplacement du cadre de lecture. L'une de ces protéines est inactive et l'autre cible les canaux TREC 1 et TREC 2 avec pour conséquence de stimuler fortement l'activité électrique des neurones provoquant des crises migraineuses. Cette découverte a permis l'identification de nouvelles cibles pour le traitement de la migraine. J'espère je que je ne me suis pas trompé dans le, euh, le traitement très raccourci de vos données et je vous passe la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des membres de l'Académie et aussi l'ensemble du comité qui a sélectionné mon dossier. Je me suis rendu compte que le, le résumé que je vous ai donné était assez, assez pointu finalement, il n'était pas très général. Euh, ce qui s'est passé, c'est ces collaborateurs en fait, on fait beaucoup de recherches fondamentales et puis on est tombé on faisait du single molécule, on est tombé sur des mutations impliquées dans la migraine et en fait on s'est lancé dans la physiologie et ça montre bien que des recherches tout à, fond, tout à fait fondamentales au départ arrivent à des solutions parce que maintenant on a même des molécules qui sont très très actives et qui sont aussi bien, aussi actives que les derniers traitements qui sont développés pour, les, pour la migraine. Et le nouveau mécanisme de transmission de maladies héréditaires qu'on a découvert, apparemment, on arrive à l'étendre à plusieurs milliers d'autres mutations. Et ça, c'est dans un futur très proche que ce sera dévoilé. Et j'en remercie. Pour... Bravo, l'Académie de médecine est fière de vous et nous vous souhaitons une magnifique poursuite de vos travaux. Alors, le prix Césari existe sous deux variantes. Il y a un prix Césari jeune médecin et un prix Césari jeune chercheur. Et je commencerai par le prix Césari jeune médecin qui est attribué cette année à Adèle de Masson qui nous rejoint. Bonjour. Donc, Adèle de Masson a fait une thèse en hématologie et oncologie et un postdoc au Dana-Farber Brigham and Women Cancer Center à Harvard centrée sur l'étude des lymphomes cutanés sous la direction de Thomas Kuper. Actuellement, elle est PHU dans le service de dermatologie de notre confrère, le professeur Martin Bagot, à l'hôpital Saint-Louis de Paris. L'unité où elle travaille, l'unité Inserm UMRS 976, et particulièrement l'équipe Onco Dermatology and Therapies, a identifié plusieurs cibles thérapeutiques menant au développement de nouveaux traitements des T, tels que le lacutamab. Son travail est intitulé « Physiopathologie, pronostic et traitement des lymphomes cutanés primitifs ». Parmi ces lymphomes, les plus fréquents sont les lymphomes T cutanés épidermotropes, le mycosis fongoïde, et sa variante leucémique, le syndrome de Césarine. Je l'ai en rouge parce que vous voyez qu'il y a une co-concurrence entre le titre du prix et le titre du travail. Le travail permet également l'identification du récepteur CCR8, qui est un marqueur de surface de l'infosité régulateur intratumoraux, lequel est surexprimé à la surface des cellules tumorales. La déplétion des cellules CCR8, par un anticorps monoclonal thérapeutique, pourrait éliminer les cellules tumorales dans ces lymphomes et activer l'immunité antitumorale par déplétion des trègues intratumoraux. Donc, mes félicitations et euh, dites-nous un peu ce que vous voulez résumer de ce travail magnifique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, je remercie vivement l'Académie euh, d'avoir primé ce travail et euh, j'aimerais remercier aussi tout particulièrement euh, Martine Bagot, ma chef de service, euh, qui avait reçu ce prix Césarie il y a quelques années, euh, qui est maintenant membre de l'Académie et qui m'a transmis sa passion euh, pour la recherche sur les euh, lymphomes cutanés. Voilà, donc nous avons à cœur de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et de développer de nouveaux traitements et celui-ci qui a été découvert donc dans le service est actuellement en cours de licence industrielle et on espère être en clinique en 2025. Voilà, je vous remercie. Bravo et mes félicitations. Comme je vous l'ai dit, il y a le pendant Recherche. Donc, vous avez ici donc, le prix Césarie et Jeunes chercheurs qui est attribué à Ali Kemal Edin. Le voilà. Et donc, vous avez fait, si j'ai bien retenu vos données, un double cursus médecine sciences dans le cadre de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt. Vous avez fait une thèse de neurosciences à l'Université Paris Cité et en fin de troisième année d'études médicales, vous avez reçu un prix de thèse de la Société des neurosciences en 2022. Par ailleurs, vous participez activement à la représentation des étudiants dans diverses associations universitaires. Vous travaillez actuellement dans le laboratoire de Serge Charpak, qui s'intéresse aux interactions entre neurones et vaisseaux sanguins et aux mécanismes qui relient l'activation neuronale et les signaux mesurés en imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, le titre du travail, c'est analyse des signaux vasculaires observés par imagerie fonctionnelle du cerveau. je ne dirais pas dans la technique. Complexe de ces méthodes d'imagerie pour vous dire que le couplage neurovasculaire est exploré sur un modèle de rongeur par mesure simultanée de l'activité neuronale et de la vitesse des hématies en microscopie biphotonique. Et ce modèle a permis de modéliser une fonction de transfert et vous avez développé un algorithme que vous avez rendu public. Donc merci, mes félicitations. Merci beaucoup. Je n'ai évidemment pas préparé de discours, donc je vais improviser. Euh, merci beaucoup à l'Académie, aux académiciens et au Conseil scientifique pour euh, l'attribution de ce prix. C'est mes résultats qui ont été reconnus, euh, mais c'est mes encadrants évidemment qui l'ont euh, permis, qui sont présents ici, les docteurs Serge Charpac et David Eboido. Donc c'est eux, moi, que j'aimerais particulièrement remercier. Euh, c'est particulièrement touchant également de recevoir un prix de l'Académie de médecine quand on est étudiant en médecine. Je suis actuellement en cinquième année. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup, merci à tous. Toutes mes félicitations, comme dit l'homme de théâtre, la valeur n'attend pas le nombre des années. Le prix Évian-les-Bains est Vian -les -Bains décerné cette année à Marc Bajenoff, mais je crois qu'il ne peut pas être présent. Donc, je vais présenter son travail. Donc Marc Bajenoff est docteur en immunologie, postdoc à l'IPMC à Valbonne et au NIH à Bethesda. Il a intégré le CNRS en 2006 et établit son équipe au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini en 2010. Il est lauréat de la médaille de bronze du CNRS, du prix Césarie de l'Académie de médecine en 2014 et du prix Raymond Rosen de la Fondation pour la recherche médicale en 2020. Son équipe à Marseille Lumini étudie le rôle des cellules stromales dans le fonctionnement du système immunitaire ainsi que le dialogue qui s'établit avec les macrophages. Donc, le titre de son travail est le suivant, Les cellules stromales et les macrophages établissent des circuits cellulaires. Donc, les cellules traumales sont considérées comme des cellules nourricières, mais ce sont également euh, des cibles euh, très spécifiques euh, pour rechercher les fonctions dans les tissus sains et pathologiques euh, des cellules qu'elles nourrissent. À terme, ces travaux permettront d'identifier des approches thérapeutiques alternatives dans différentes pathologies impliquant les macrophages. Donc en son absence, je vous propose d'applaudir euh, donc Monsieur Marc ah, Bagnas. Et nous les garderons au chaud, une enveloppe et un certificat. J'en viens maintenant au prix de médecine, c'est la deuxième série. Le premier d'entre eux est le prix André Litschwitz, qui est remis cette année à Renata Koziraki. Voilà, bonjour. Donc, je commencerai par remercier Madame Juan Kernet, qui est la fondatrice du prix Lichwitz et je vais présenter donc brièvement donc les qualités de la lauréate. Donc Madame Koziraki est diplômée de médecine dentaire à l'université Thessalonique, docteur en physiopathologie cellulaire et moléculaire à l'université Paris 6, puph en biologie orale à l'université Paris Cité, et co-responsable de l'axe médecine personnalisée et pathologie bucodentaire à Paris Net. Elle travaille dans l'UMRS 1138 physiopathologie orale moléculaire au centre de recherche des cordeliers, dirigé par le professeur Perdal. Donc son travail est titré syndrome émail rein, pathogenèse et traitement donc vous voyez bien que c'est émail et pas email euh, rein, il s'agit d'une maladie rare liée à une mutation de la protéine fam20 qui associe un défaut de la minéralisation de l'émail des dents et également une néphrocalcinose rénale, donc qui entraîne des complications rénales. Une étude de protéomique a montré le rôle de la signalisation TGF-bêta dans le processus de calcification rénale. L'interrégulation TGF-bêta femme 20A par des moyens pharmacologiques est en cours d'étude sur des modèles cellulaires. Donc les félicitations de l'Académie et donc est-ce que vous avez des éléments à nous faire partager je voudrais d'abord remercier les membres de l'Académie et je voudrais partag partager cette, euh, cette expérience qui, qui complique, la, qui, plutôt, qui associe les aspects dentaires et, aspect, et les aspects rénaux, euh, qui, euh, qui est basée sur le fait que j'ai fait ma thèse dans une unité, l'unité 64, dirigée par le professeur Raymond Arterieux, que je remercie chaleureusement, et qui m'a permis de regarder aujourd'hui avec un œil nouveau les pathologies rares qui combinent des aspects, ces aspects-là. Et notre, notre volonté est de trouver des moyens thérapeutiques qui vont améliorer la prise en charge de ces patients et surtout d'améliorer leur qualité de vie. Je remercie l'Académie et les institutions qui m'ont permis et mon équipe de travail qui m'a permis d'être dans cette situation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci et toutes les félicitations de l'Académie. Nous en venons au prix Achar Médecine qui est attribué cette année à Laure Abin-Sur-Villaume, que voici. Donc, euh, Madame Abin-Sur-Villaume est une ancienne sage-femme qui est également docteur en médecine, Ph. en médecine d'urgence au centre hospitalier de Mestionville, docteur en sciences de la vie et de la santé. Elle est fondatrice et présidente de la Société francophone de pédagogie innovante en santé. Elle travaille dans le centre d'investissement clinique plurithématique CIC 1433, avec pour partenaire l'Inserm et le CHRU de Nancy, et ce CIC était jusqu'à récemment dirigé par le professeur Patrick Rossignol. Le travail privé s'intitule « Prévalence et prise en charge des dyscaliémies ». Trois enquêtes menées dans 11 centres d'urgence auprès de 500 médecins généralistes d'une part, de 357 internes de médecine générale d'autre part, ont montré une gestion sous-optimale des discaliemies et en particulier la fréquente négligence de l'hypokaliémie présente chez près de 50% des patients en médecine générale. Et vous comprenez donc quelle importance ces données ont sur le plan de la pédagogie et sur le plan de la prévention de complications de ces discaliemies. Donc mes félicitations. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur ce travail Merci. Je tiens déjà à remercier énormément les membres de l'académie pour ce, cette distinction qui m'a vraiment énormément touchée par rapport à ces travaux qui étaient mes travaux de, donc de thèse d'université, qui ont été mes trois premières publications sur cette thèse et depuis bah, il y a déjà une vingtaine de publications que, sur lesquelles j'ai pu travailler et ça m'a donné vraiment l'élan et le goût vers la recherche. Donc, merci beaucoup. Eh bien, bravo et continuez dans cette direction. Qu'on n'a pas besoin d'évacuer la salle. En revanche, on va Accueillir M. Tuleaska. Bonjour. Donc Constantin Tuleaska a fait des études de médecine en Roumanie à Iasi, puis il a fait une formation en neurochirurgie à Lausanne, à Marseille, à Paris, à Lille, et il est actuellement médecin hospitalier, private docent et maître d'enseignement au CHU vaudois. Le service de neurochirurgie et le centre Gamma Knife de Lausanne diagnostiquent et traitent toutes les maladies touchant le cerveau, et ils sont très impliqués dans la recherche clinique et fondamentale. Donc, le travail primé s'intitule "Dose biologique effective dans la radio neurochirurgie par Gamma Knife". Cette dose biologique effective, qui prend en compte la dose délivrée mais aussi la durée d'irradiation, a été mesurée dans 149 cas de malformations artéro-veineuses cérébrales. Elle était le meilleur facteur prédictif de l'oblitération de ces malformations non rompues après une radiochirurgie initiale. Donc, bravo pour cette contribution. Un mot à ce propos Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, merci à l'Académie nationale pour cette distinction. Et merci également au professeur Reims, qui est mon maître Lillois. C'est un travail Lillois. Et nous sommes au service du patient. On essaie de proposer un nouveau paramètre pour diminuer la toxicité et à augmenter l'efficacité de la radiochirurgie est une technique mini-invasive. Je vous remercie. Merci pour vos patients et mes félicitations. Nous en venons maintenant au prix d'histoire de la médecine, mais je crois que c'est euh, que c'est Monsieur Berche qui va faire la présentation. Est-ce que Patrick Berche est là? Il m'avait dit qu'il arriverait vers 10 heures, donc peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Alors, je vais essayer de présenter votre travail, monsieur. Donc, nous félicitons monsieur Philippe Bourdin pour le prix d'histoire de la médecine. Vous voyez à gauche son livre. Il s'intitule Jean-Gabriel Gallo, un médecin des Lumières au chevet de la Révolution. Donc, monsieur Bourdin est professeur d'histoire moderne à l'Université Clermont-Auvergne, membre senior de l'Institut universitaire de France président du comité des travaux historiques et scientifiques, membre du Conseil national du livre. Il est spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Révolution française et du Premier Empire. Il travaille dans le Centre d'histoire Espaces et Culture, qui est fort de 45 enseignants-chercheurs et de 50 doctorants, donc c'est vraiment un centre de recherche important. Ses travaux abordent les communautés à l'épreuve et en révolution, les pratiques de la foi les créations artistiques et leur préservation et enfin une archéologie des territoires. donc merci. le travail primé, c'est donc à propos de jean-gabriel gallo, un médecin des lumières au chevet de la révolution. Euh, donc euh, je pensais que le prix serait présenté par euh, le président de la société française d'histoire de la médecine, mais qui manifestement n'a pas pu être là. donc on compte sur vous pour nous expliquer un peu qui était ce jean-gabriel gallo, médecin des lumières. merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie très chaleureusement pour le prix que vous allez me remettre, qui vient couronner finalement une recherche en temps de Covid, ce qui signifie beaucoup de solidarité de la part des directeurs d'archives et des directeurs de bibliothèques qui ont accepté de me faire venir les sources que je ne pouvais aller consulter. Et puis aussi, au départ de tout cela, un hasard heureux, un ancien doctorant qui m'a apporté des sources familiales à expertiser. Et il se trouve que c'était les lettres d'un constituant, le docteur Jean-Gabriel Gallo, 1744-1794. Et une fois que j'en ai eu trouvé l'auteur, j'ai tiré les fils rouges. C'est un réflexe d'historien obsessionnel sans doute, diront certains. Et euh, tirant ces fils, j'ai trouvé beaucoup d'autres sources qui m'ont permis euh, de reconstituer une carrière, la carrière euh, de ce euh, médecin euh, protestant en terre euh, vendéenne, majoritairement catholique, euh, médecin très implanté euh, de par euh, sa famille euh, qui avait fui euh, les persécutions à La Rochelle euh, pour euh, s'installer comme euh, notable. Euh, rural, et qui possédait beaucoup de métairies, qui avait une assise intellectuelle, qui participait clandestinement au refuge, etc. jean gabriel fait des études au collège de nantes, puis par étudier la médecine à paris d'abord, au jardin du roi, beaucoup, parce qu'il y avait des cours très innovants qui l'ont immédiatement intéressé, puis à montpellier ensuite, et cette curiosité par la médecine va l'animer toute sa vie il va être prolongé par sa participation à différentes sociétés savantes, des académies provinciales comme celle de La Rochelle, mais surtout il est correspondant de la Société Royale de Médecine, il est correspondant actif de la Société d'Agriculture de Paris. Son idée, c'est de trouver la cause des maux qu'il observe chez les plus pauvres car c'est un médecin des pauvres qui se spécialise dans les épidémies et notamment les épidémies de typhoïdes et de dysenterie. Et qui croit beaucoup aux manières naturelles de soigner, qui s'intéresse de ce point de vue, comme beaucoup d'autres à son époque, aux eaux minérales, qui s'intéresse aux cures, qui réfléchit beaucoup à ce qu'est l'acharnement médical contre lequel il s'inscrit en faux. Donc, correspondant très actif des académies nationales, et puis bientôt aussi de structures internationales comme la Société de Mannheim qui réfléchit aux causes climatiques des maladies. Et de ce point de vue-là, Gallo va s'inscrire dans les travaux du PERCOT pour prendre des mesures climatiques et comprendre ce qui se passe dans sa province comparé aux autres. C'est aussi un philanthrope, outre. L'aide que sa famille apporte quotidiennement aux plus pauvres de sa subdélégation. Il croit ferme à l'intérêt d'établir en province des hospices comme l'hospice Necker à Paris. Il est en relation épistolaire avec Madame Necker. Il est déçu de cette relation car il ne reçoit pas l'aide à laquelle il aspirait. Et c'est pourquoi la Révolution française va lui apparaître comme un levier possible pour changer des choses dans la carte hospitalière, dans la carte des études de santé. Il va se faire élire aux États-Généraux. Je vais essayer de conclure rapidement parce que je vais finir par être trop long. Il va se faire élire aux États-Généraux. Il va proposer des plans de réorganisation de la santé en France qui, malheureusement, n'aboutiront pas.